Un homme de Sherbrooke peut dire merci aux récents progrès en médecine. Grâce à une prothèse vissée dans un de ses tibias, il peut à nouveau jouer au golf malgré l'amputation d'un pied. Jasmin Dumas a eu le plaisir de fouler les verts avec lui aujourd'hui. Ouais. En plein milieu. Vous jouez combien de fois par semaine? Quatre fois. 4 à 5 fois. On est dans la nature. Puis on joue en cœur, mais on marche quand même un peu. Ça fait de l'exercice. Puis pour garder un peu de santé, ça l'aide. C'est un accident de travail que vous avez eu dans les années 90. Vous avez eu une prothèse, disons, plus régulière pendant des années. 25 ans. Ça, ça fait pas longtemps, là. Oui, ça fait 3 ans. 3 ans? Oui, ça fait 3 ans le 20 juillet que j'ai été opéré pour ça. Puis ça a changé votre vie? Ça a changé bout pour bout. C'est un cadeau du ciel que j'ai eu. Tant que ça? Ah, oh, c'est merveilleux. C'est le jour puis la nuit avec ce que vous aviez avant. Qu'est-ce que j'avais avant? Avant, je jouais au golf, puis là, j'avais des plaies tout partout. L'idée est de mettre un implant dans l'os qui va passer au travers de la peau et qui va socio-intégrer, donc qui va souder à l'os, comme une prothèse de hanche ou de genou. Ça va souder à l'os. Un jour, je pense, ça va devenir une opération de routine. On va vous amputer, puis on va vous faire ça. Pouvez-vous me montrer comment ça fonctionne? Parce que ça, ça se détache. Oui, ça se détache. C'est facile. On tire dessus. Oh, bonsoir, c'est fini. C'est parti. Et quand vous dormez, quand vous êtes... J'ai ça toujours qui sort. Pouvez-vous mettre différents embouts? Oui. Moi, j'ai 4 différentes jambes que je prends, parce que ça prend une pour la douche, une que je marche dans la maison avec des pantoufles, puis là, j'en ai une autre pour des souliers. Puis celle-là, c'est pour le golf. Le désavantage avec ça, c'est que ça peut s'infecter. Ça vous est-il arrivé? Ben, c'est arrivé une fois. À cause qu'il y avait une bactérie dans l'eau quand j'ai passé la douche dessus. Là, il y a une petite bactérie, puis j'ai appelé le docteur, puis il m'a prescrit l'antibiotique, puis en dedans 5 jours, c'était parti. C'était fini. Fait que là, prochaine étape pour vous, c'est les championnats canadiens. Oui, qu'il y a eu... C'est comme un peu les Paralympiques, mais canadiens. C'est ça, pour toutes les habilités, comment ils disent. Okay. C'est le fun, c'est parce que tu rencontres du monde qui ont souvent eu la même chose, les mêmes obstacles que toi, tu as subi. Puis en même temps, je fais de la promotion pour ça. Hey, bravo! Hey, merci, Bernard. Vous êtes inspirant. Ça m'a fait plaisir de croiser votre chemin. Merci beaucoup. Puis bonne chance au championnat canadien. Merci beaucoup.